Plop les gens, ici Zikino pour un nouvel épisode de Graveyard Keeper, votre série préférée. Alors, la mission du gardien de cimetière, c'est toujours la même, l'astrologue, faut que j'avance Mademoiselle Charme. Serpent, c'est l'épée de Damas, je suppose, pas certi. Et du coup, comme on l'a dit dans le dernier épisode, je vais peut-être plutôt m'embêter à récupérer les points pour la forger moi-même. Un truc qui est tombé chez moi. Plutôt que de l'acheter, parce que celle que je peux acheter, elle est déjà sertie avec une gemme, et du coup, je suis pas sûr que ce soit la même. Le marchand, c'est un dîner en or. Il faut que j'aille le voir aussi pour récupérer la fourchette salée. Mademoiselle Charme, les papiers d'aristocrate avec 12 pièces d'or. Je pense que les deux, ils peuvent se lier un petit peu là. Il faut des graines améliorées, quoi. Et je suis sûr que le marchand, une fois que je refais ça, il me rapportera pas mal de sous. L'évêque, lui, il demande plein de trucs. Il faut qu'on lui demande son miroir de l'orgueil, vu qu'il est très orgueilleux, cet évêque. Et voilà. Donc oui, j'ai repris la souris, ce qui m'arrive rarement. Parce que je me suis rendu compte que, dans le personnage, j'ai quand même une sacrée liste de talents qu'on a débloqué au fil du temps. Avec le pompier pour les torches là que j'ai à peine commencé. Le cardinal, c'est peut-être lui qui fait que j'ai plus d'argent au final, plus que tout le reste. Je pensais que c'était la prédication, mais non. Bref. Pas mal de choses. Et tout ça, je ne sais pas vraiment quoi en faire. Donc soit je les stocke quelque part, mais ça veut dire que si jamais je tombe sur le bon marchand, je peux pas les vendre. Ce qui est dommage. Soit ça m'encombre. Ce que je fais, mais ce qui est aussi dommage. Bref, je reprends la manette. Et on va continuer. Du coup, demain, jour de Mademoiselle Charme. Pas grand chose d'intéressant, vu que j'ai que 4 pièces d'or. Du coup, je me disais, pour ne pas faire un épisode full où je vais juste avancer les papiers, tout ça, faire du papier, tout ça, je pensais continuer le donjon un petit peu. Je vais faire le niveau 1 juste pour vérifier. Mais il me semble que si je refais les niveaux, ça sert pas à grand chose. Je vais juste vérifier ça. Je ne m'en souviens plus trop. Je ne sais même plus à quoi il ressemble ce niveau. Donc ouais, il y a l'air de pas avoir de monstre qui soit de retour. Oh, par contre, il y a une chaise. Ah oui, mais c'est vrai. Une graine d'oignon en or. J'aurais dû, par contre, me vider les poches avant de faire le niveau. Avant de venir. Parce qu'en général, un niveau, ça remplit plus ou moins tout le stock que j'ai de libre. Chauve-souris qui a bien voulu respawn et apparaître. Toutes les autres, tous les autres monstres, tout ça, que dalle. Ou alors je l'avais esquivé en mode j'en peux plus, j'ai 2 PV. Je sais plus. Et je suppose que si vous avez vu tous les épisodes, vous non plus vous en savez plus grand chose. Parce que ça date.
boss ferraille, pièce de fer. Ouais, non, pas grand chose. Du coup, je vais sortir, poser déjà ce que j'ai. Enfin, surtout ce qui n'a rien à voir, ce qui n'est pas possible de trouver dans le donjon. Parce que là, j'ai déjà plus qu'une place de disponible, ce qui est vachement dommage. Alors qu'on a fait un passage du donjon où je n'avais rien à faire, quasiment. On va tout mettre ici, ça sera peut-être un peu plus rapide. Ça. L'épée. Voilà. Et même le vin, là. Voilà. Du coup, là, j'ai que des trucs qui me redonnent. Que je réfléchisse. Ouais. Juste ça, la pierre de foyer, je sais pas toujours. Exactement ce que c'est. D'ailleurs, est-ce que je peux l'étudier? Je sais que j'ai dit que je voulais pas faire un épisode d'études et création de bouquins, mais normalement l'étudier ça va pas me dire à quoi ça sert. Non, de toute façon je peux même pas l'étudier. Oui, et tous les outils sur moi, faudrait que je les étudie. Le champ, je vais étudier le chanvre. Le chanvre, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, oui, ça c'est pour se transformer en science. Ça ne m'intéresse pas. On peut en faire de la poudre et de l'essence. Et ça m'a donné tellement de bois. De la poudre de chanvre. Qu'est-ce que ça va me donner? De l'accélération. Ah, et t'es speed quand tu prends du champ. Ok. Donc de la poudre, il serait certainement du... Comment ça s'appelle les fioles? Des extraits d'accélération. Voilà. Bah, ça va donner une histoire, tout ça. Et donc on y retourne. J'ai l'impression d'être toujours en mode paysan avec mon haut presque débraillé là, ma pauvre chemise et tout. Alors qu'en fait, quand on regarde, j'ai une armure en acier sous ma chemise, j'ai une épée en acier, j'ai tout ça de pioche, pelle, canne à pêche, marteau, hache dans les poches. Et en fait, non. Non, je vais peut-être pas faire tout de suite par contre. De refaire tous les niveaux. Voilà. Je sais même pas si j'avais pas déjà commencé. Alors de la gelée bleue, ça c'est nouveau. Et de mémoire, les mouches, par contre, elles me donnent un peu de tout. Alors au niveau moins 5, je peux miner de... Ah non, j'ai plus juste une pépite d'argent, d'accord. Enfin, une fois de la pépite d'argent. C'est pas en boucle. Ok, très bien. Très bien, très bien. Décor. Alors, bonjour tout le monde. On va pas s'exciter, vous aurez chacun. Ah punaise. Ok. J'aurais peut-être
Voilà. J'aurais bien fait de prendre un peu de vin à ce niveau-là. Ouais. Non, tout ça. Ah oui, maintenant je peux ouvrir chacun. Ok, il n'y a pas grand-chose. On va à droite d'abord. Ok, encore masse de monde. Et la chauve-souris. Oula. Oh punaise. Je l'avais pas vu l'autre. Là, je les attire tous, c'est peut-être pas ce qui était prévu au tout début. Voilà, quelques clous ensanglantés, c'est parfait ça. D'ailleurs, en parlant de clous ensanglantés, si j'ai pas grand chose à faire des ensanglantés, je pourrais enlever le sang, je crois. Avec du sable, on peut enlever le sang. Et du coup, les clous, par contre, ça, je les vends. Ça, je peux te dire, ça se vend. Un coffre. Un seau de sang. J'en fais quoi des seaux de sang maintenant? Ils sont bien gentils, mais voilà. En plus, j'ai plus d'espace. Donc, plus d'espace. Presque envie de partir et non pas d'explorer la fin. Le problème des jarres, c'est qu'il peut y avoir des graines. Bon, ça a l'air d'être des graines de lentilles. C'est pas le plus intéressant, les lentilles. Il y a des vrais clous. Bon, entre un lot de vrais clous et quatre de comme ça, je vous avouerai que je préfère les quatre. Parce qu'en plus, je peux pas les créer moi-même. Donc. Et voilà ce que je perds à avoir voulu explorer l'intégralité du monde avant de... Alors que j'avais plus de place. C'est pas grand chose. Par contre, les graines de blé. Les graines de blé, je m'en fous aussi. Détruire, oui. C'est des lentilles qualité bourre. 11. Je m'en fiche un peu du coup. Voilà. Un truc que j'ai envie d'essayer, c'est là, j'ai pas validé le niveau. Ça fait peut-être deux essais d'un coup sans que je m'en rende compte. Mais voilà. Je mets juste un asticot dans la première étagère libre. Et je ne valide pas le niveau. Je veux voir si en revenant, je retrouve mon asticot. Et si en revenant, aussi, je retrouve. Enfin, est-ce que les monstres sont réapparus vu que j'ai pas validé que j'ai fait ce niveau et que je suis allé au niveau d'après. Bref. Pas trop profond, c'est quoi ça comme succès? Terminer le niveau 5 du donjon. Bah voilà. Il m'a quand même validé le fait que j'ai terminé le niveau 5. Alors, ici. On remet les clous ensanglantés. Le seau de sang, de toute façon, c'est leur place. On reprend quasiment tout le reste, théoriquement. Maintenant, on va voir ce que j'ai comme place. Ça se met en bas. Ça se met en haut, mais j'ai... ça se met en haut, mais j'ai sûrement... Les graines...
graines, j'ai pas beaucoup de graines sur moi. D'ailleurs, je peux poser, enfin, essayer de poser toutes les poudres là que j'ai récupérées en tuant les mouches. Alors, est-ce que c'est... Oui. Le chanvre, c'est l'accélération, point, c'est tout. Ça, tout accepté, c'est très bien. Du coup, je peux récupérer la fin. C'est bien, hein? Oui. Oui, ça, tout accepté. Si je me mets là, je peux équiper et utiliser tout de suite. Et tout mon équipement, ouais, tant pis. Ah, la gelée bleue, j'ai oublié de la poser. Je peux en faire de la cuisine de la gelée bleue ou pas? La gelée verte, oui, mais la bleue. Voilà, les clous, il faut de l'eau, du sable et des clous ensanglantés pour faire des clous normaux. Tac, tac, de la gelée verte. Il faut absolument de la gelée verte. La gelée bleue, en quoi ça se transforme? D'accord, on ne la mélange pas, donc ça ne fait pas du liquide. Il faudrait l'étudier en soi. Je ne sais même pas si j'ai étudié la verte. Si. Parfait. Pas trop cher. Fluide et en essence. Ah, ou alors, tant que je l'avais pas étudié, ça ne voulait pas... Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est de l'accélération aussi, non? Du coup, le chanvre et la gelée bleue font de l'accélération, d'accord. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas? Si je vais aller voir mon ami le marchand, lui fait ses allers-retours avec la même caisse. Non, pas encore. Le plan final, oui, il faut d'abord que je lui... ramène ces 5 machins pour avoir le plan final. Bref. Je recherche une fourchette salée. J'ai entendu dire que vous aviez une fourchette salée. J'ai atteint un point dans ma vie où une fourchette salée est quelque chose dont j'ai désespérément besoin. Oh ben, cette fourchette salée compte beaucoup pour moi. C'était l'une des deux choses que j'ai trouvées avec mon frère. Nous cherchions à manger à la décharge de la ville. Et j'ai trouvé cette fourchette. Je pense qu'elle provient de la grande déflagration. Je viens d'une famille très pauvre et cette fourchette m'a permis de devenir qui je suis. Je l'ai examinée pendant des heures en essayant d'imaginer à quoi elle pouvait servir. J'ai décidé de voyager et de trouver des réponses. J'ai donc quitté la ville. J'ai découvert que les fourchettes servaient à manger. J'ai également découvert un tas d'autres choses incroyables. Vous savez, parfois je pense que cette fourchette rend les choses plus savoureuses. Ha, ha. Maintenant, je suis sur le point de commencer une nouvelle phase de ma vie. Je pourrais vous la donner, mais d'abord, je dois m'assurer que vous méritez ce cadeau. Et il faut que j'atteigne 100 avec lui, comme l'inquisiteur. Mais au moins, ça me le marque. Comme ça, quand j'aurai oublié à qui il faut parler, d'ailleurs, si c'est l'évêque le dernier, au moins, quand j'irai les voir et leur parler, je verrai, ah oui, c'est lui qu'il faut que j'aille voir pour ça.
Très bien. Très bien de partir, oui. Non, commercer. Il y en a 8. C'est cher, mais pas tant que ça. Ça par contre c'est vachement cher et je suppose que je pourrais les créer moi-même bientôt. Graines de vigne, diamant à facettes. Oh, je peux lui vendre les... C'est dommage que je vois pas à combien je peux lui vendre, parce que là je suis obligé de les créer, venir le voir et... Ah ouais, mais non, en fait c'est pas assez cher à mon goût. Je préfère les utiliser. Terminer l'offre. Parfait. Non, je vais passer par dehors. Parce que j'ai les graines à poser. J'ai pas de blé sur moi. Non, ça ne m'en donne pas. Dessous, donc je vais arrêter de lui en acheter. Enfin, quoique, faut que j'aille le voir pour... pour augmenter mon amitié avec lui, pour qu'il accepte de me vendre le houblon de meilleure qualité. Il faut que je fasse sûrement quelques... que je lui demande quelques farines. Oui. D'ailleurs, je peux le faire peut-être tout de suite, un petit aller-retour farine. Alors, je pose d'abord quand même les graines d'oignon. Ici, graines de chou. Je vais en récupérer, je sais pas. Voilà, 20. Je veux juste vérifier qu'est-ce que ça me coûtait de le faire moi-même la farine. De la faire moi-même la farine. Alors sans pause. Non, sans pause pas. Ça, je sais pas. Bonjour Deep Jack Gaming. Ça je pose. Ah non, on peut pas poser ici. Ça je pose. Comment ça va? Ça je pose. Ah, ça je peux prendre et emmener. Ah, j'ai pas besoin pour le moment. Et la cruche, je pourrais la poser plus. Si je vais la poser là. À moins qu'il y en ait une là. Je crois qu'elle est au niveau de l'église, l'autre. Bah ça va bien et moi, merci. Tac. J'ai pas posé ça, ni ça. Je voulais quand même aller voir le meunier avant qu'il fasse nuit. Non, et voir aussi, à part de l'énergie, qu'est-ce que ça me coûtait. Donc là, j'en prends 4 de blé pour faire 4 de farine. C'est ça. Et ça me prend 8 d'énergie. 4 pour 4 et 8 d'énergie. Donc... Très zen ce let's play, j'adore, merci. Ah, de toute façon, sur Graveyard Keeper, on peut pas forcément faire du truc très actif. C'est un bon jeu pour le week-end, pour se détendre après une semaine plus ou moins chargée. Voilà. Utiliser le moulin. Bah ouais.
lui me coûte 0 d'énergie et il me crée 5 de blé en plus. Et là il veut pas. Mais par contre je peux lui vendre. Je le vends à pas très cher, mais je peux lui vendre. J'ai pas vu combien je peux lui vendre de blé. Vu que j'ai pas forcément besoin de farine. Je vais lui vendre. Ah oui, ça me donne quand même 2 pièces. 2 pièces d'argent. Tu fais des quêtes sur WoW. J'ai jamais joué à WoW en fait, mais j'ai déjà fait ça, faire des jouer de mon côté, regarder un streamer à côté. Quand le stream est zen, ça passe facilement. Alors, il y avait qu'est-ce qu'il y avait ? La solution d'accélération. Et les ailes de chauve-souris à poser au sous-sol. Au moins. Un seul banc d'église. Ça. Et là, il va te falloir. Ah oui. Quelques poutres aussi. Avant d'aller à l'église. J'ai pas posé les ailes de chauve-souris. J'ai acheté Graveyard, mais pas encore commencé. Oh, me bouffe tout mon temps déjà. Allez, bah. Je sais pas à quel point, du coup, on a envie de continuer, vu que j'ai jamais joué, mais. Graveyard. Je suis à mon 30e épisode, là, et à chaque fois, il dure plus d'une heure, 1h30. Il me semble que ça fait plus de 24 heures de live que j'ai fait dessus. Au total, donc. T'aimes les histoires et les jeux un peu longs. Bon, après, je sais pas si je te dis les quelques conseils que je dirais du coup maintenant, mais j'ai bien été ralenti pour quelques points. Si c'était à refaire, il y a des trucs que j'ai pas du tout fait que je ferais plus tôt. Ça, utiliser. Chose précieuse, je peux faire ça. Table de joaillier. Oui, j'étais gérard des épisodes sur un disque dur 2,5. J'ai regardé le soir sur ma télé. Oh, c'est gentil. Ça me flatte que quelqu'un regarde mes épisodes comme ça. Vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions dans le chat et que. Pas forcément non plus beaucoup de commentaires. Ça arrive. C'est toujours agréable. En live, c'est encore plus sympa, merci. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais. Si, les planches, j'ai même pas regardé combien j'en avais. Pas des masses non plus. Hein. En fait, toi, tu vas directement faire ça. Il faudra me faire pas mal de. Planche aussi. Hmm.
lui, il a réussi à tous les reposer, du coup, vu qu'on a passé le jour. Serpent. Je vais peut-être aller voir Serpent, juste pour savoir. Juste pour vérifier que c'est bien l'épée sans les joyaux. Alors, il y a eu quelques mises à jour au début, là ça fait 2 mois je crois qu'il n'y a plus de mises à jour, au moins. Après il y a eu le DLC Breaking Dead, avec les zombies, Breaking Dead je crois, j'espère que c'est le bon nom, qui ont ramené les zombies et qui permettent de ne pas avoir à miner soi-même tout ça, mais de l'autre côté je suis un peu en manque d'énergie rouge du coup. Très bien, évidemment, pour faire des bijoux, des fragments de bijoux, il faut des lingots d'or et de la foi. Et pour faire des bijoux, il faut de la foi, des diamants et des fragments de bijoux. Donc, non, récemment, il n'y a pas eu de mise à jour. Voilà. Oui, toi, il faut que tu fabriques... Toi, tu vas me faire aussi. Voilà. Est-ce que... C'est pas ici, ou est-ce qu'il est ici ou quoi ? D'ailleurs... Oui, c'était l'encre blanche, c'est ça qui est ok. C'était 4, ça on prend tout le stock, mais normalement c'est 6, et voilà. Et normalement on va avoir notre premier banc confortable.
par défaut ça donne 1 de beauté, les bandes confortables 3. Évidemment, il faut d'abord que je retire. Je peux en faire qu'un du coup. Bon, c'est les rangs 2 hein, qui méritent d'être bien installés. Les roturiers au fond. Ah ouais, ils ont l'air vachement plus confortables. Et du coup, la prochaine fois, si je mets toutes les bougies, l'évêque me donnera bien le... Enfin, sera ok pour avoir un peu plus d'amitié au niveau de l'église. Ici par contre. Je vais le remettre là où il doit être. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant qu'il le construise? Je peux essayer d'aller voir la mine, tout ça, mais j'ai pas grand chose en soi à y faire. Je me souviens plus ce qu'il faut pour faire des... Pour faire le chemin de torche. J'aurais pas dû le mettre sur la plus proche. Alors, il faut... 4 de pierre, 4 pièces simples, 2... 4 fer simple et 2 vitres. Mais fois beaucoup. Donc 4 de pierre, ça j'ai pas de soucis. 4 fer simple, j'en ai quelques-uns d'avance, mais pas forcément infiniment. J'en ai peut-être quand même assez pour faire tout ce qu'il me faut. De faire simple et du coup normalement j'en ai assez.
normalement il me fallait 8 planches du coup. Comme ça j'aurais fait le deuxième. Enfin en rentrant je peux faire le deuxième. Non les planches c'était à gauche. Le deuxième banc amélioré là. Confortable. Voilà. Je trouvais plus le mot. Que je devrais surtout pas faire, commencer par chez moi. Parce que s'il m'en manque un, je vais devoir faire tout le trajet juste pour le 1. Mais bon. Voilà. Du coup, il y en a quand même quelques-uns. Commencer par ceux qui sont ici. Est-ce que lui il s'en sort? Ah, il a du mal hein, quand je suis pas là. Il a du mal. Alors. Tac. Je pouvais mettre une autre lanterne juste à la place de la réserve de pierre. 8 d'os et 8 clous. Parce que là, il y a un... Ouais. Peut-être essayer de ramener deux fois ça. Pour avoir deux réserves. Voire trois fois, peut-être. Non, les d'os, je peux pas les créer là et les clous non plus. Où c'est qu'il y en avait d'autres? Non, c'est bon, c'est tout bon. Est-ce que je peux améliorer? Non, je peux pas améliorer le... Je peux pas améliorer la maison. C'est dommage. Alors, tac. Il va me manquer deux. Il va me manquer deux. Non, c'était pas des. Ok, deux pierres et deux pièces de fer simple. Donc, ça, les deux pièces de fer simple, ça va. Les deux pierres, c'est comme si c'était déjà fait. Il suffit que j'en trouve par terre. Ouais, je vais miner moi-même. Comme ça, ça fera un peu plus joli. Je crois qu'ici, il y en a à droite, ouais. Voilà. Voilà. Et deux pièces de fer simples. Là, je pense que c'est bon. Alors, on va les voir allumer pour la première fois. Bon, ça veut pas dire que les chauves-souris ne sont pas sur le trajet, mais au moins. Le chemin est éclairé. J'ai pas pris des... Tant pis. Tant pis.
tapis, de toute façon j'ai pas vraiment besoin d'avoir plus de pierre et de fer. Gâteau, tant pis, j'aurais pu l'utiliser. On va continuer ça. Okay. On va continuer de faire quelques chapitres, quelques notes. On fera les chapitres plus tard. J'ai eu une note dorée. C'est sympa. Du coup, j'hésite à améliorer le nombre de stocks là-haut. C'est juste que ça me produit pas de fer. Ouais, j'ai plus de fer. J'ai plus de fer et beaucoup trop de pierre. Ses priorités là-haut. On passe à table. Merci pour cette excellente stream. Ouais, ben, bon appétit alors et à bientôt, Deep Jack Gaming. Content que ça te plaise. Du coup, je suis perdu. Si je peux faire un banc de plus, je peux faire. Je peux faire un banc de plus. Il faut que je leur demande plus de. Plus de construction en bois. Voilà. Et je me suis pas couché. Donc, je dors.
on s'est bien reposé, je suppose qu'on va continuer. Je sais pas, j'hésite. J'ai rien à faire vraiment jusqu'à demain. Est-ce qu'on peut le faire travailler lui? Je pense pas, mais non. De toute façon, ça me fait du bleu. Soit, heureusement que je ne fais pas travailler là-dessus. Même si ça me rapporte 3 à chaque fois, je crois. Enfin, tant que c'est des argents, ça se trouve, les... Si ça se trouve, c'est pas nous. Mais c'était 3. Et là, si j'essaye un comme ça... Si je commence à 58... Ouais, c'est 3, quel que soit le niveau de l'histoire de base. Et du coup, de l'histoire. De la note finale. Est-ce qu'on prend du vin? Ça aide à l'inspiration, ben on est d'accord. C'est long quand on peut pas faire plusieurs d'un coup. On est obligé de re-rentrer dedans. Parce que la recette elle est pas fixe. Mais ça monte pas mal le bleu quand même. Hein. Faire ça plutôt, au moins les bronzes, j'aurais peut-être dû les faire plus tôt. Oui. Ah, j'ai plus de stylo et encre. C'est parti, hein. On en refait. Poser. J'ai plus de papier maintenant. Le papier. Le papier, c'est avec les chauves-souris. Ça, par contre, on peut en faire plusieurs d'un coup. C'est plus pratique. Le gros pochetron qui va aller faire le sermon après. En mode, ouais, je me suis pris trois jars de vin. Jars, comment ça s'appelle? Oui, je sais pas exactement comment appeler ça. 3 flasques de vin rouge cette nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Et je vais quand même vous faire votre sermon. Bien. Alors. Quatrième, je pense. Vu le rythme, je pose tout ça. Alors, non, on a déjà fait le papier. J'avais pas pensé que justement que chaque ingrédient devait s'épuiser petit à petit. Je l'avais oublié. Bon, on peut aller faire la prédication. Normalement.
passer gaffe. Non, j'aurais dû mettre les... Déjà, j'ai l'impression que j'ai un de fond en plus. Juste parce que le... l'église est jolie. Ouais, donc en fait, à chaque fois, j'aurais dû mettre des bougies. Ça m'aurait mis de la foi en plus, je crois. Bon, là, 41 au lieu de 40. C'est un peu kiff-kiff le bourré, quoi. 6,60 au lieu de 6,50. Oui, c'est pareil. Par contre, la foi... 9 plus 5, avant c'était 8 plus 5. Et la qualité est à 43. Ah, je... c'est dommage. C'est dommage parce que là, je vais valider pour le... pour l'évêque, avant de lui parler. Je vais mettre les bougies. Ça se trouve, j'en aurais même pas assez. Enfin, j'en aurais pas assez pour tout. Hop. Et voilà. Ah non, je suis à 49. 1, 2, 3, 4. Je peux faire 4 de plus. Tout de suite. On va ramener la corde. Regardez-moi cette église comme elle est belle. Entièrement à base de matériaux locaux. Sauf la soie pour les bancs. Je l'ai acheté à un ami, marchand. Un instrument. Oh, ces marchands. Si cela ne tenait qu'à moi, je les aurais bannis du royaume, tous autant qu'ils sont. Ce sont les véritables dispensateurs du péché. Les marchands, les acteurs, les médecins. L'église fournit déjà tout ce qu'il y a à ce qu'ils ont à offrir. Mais en plus sain et en plus vertueux. Bon, j'en ai assez vu. Je pense que cette église est prête à devenir une cathédrale. Mais vous devriez encore faire une statue de moi. À compter de cet instant, cela doit être votre principale priorité. Assurément, votre sainteté. Pour que ce soit ma priorité, pour le faire, théoriquement, il me faut 500. Il me faut 500 de rouge. Alors oui, si j'avais creusé moi-même toute cette pierre et tout ce fer, je les aurais, les 500 de rouge. Ça, est-ce que ça aurait été très intéressant? Je ne pense pas. Je recherche un certain miroir. Votre sainteté. Je crois savoir que vous auriez un miroir de l'orgueil. J'en ai besoin. En fait, ma vie entière en dépend. Ah, mon précieux miroir. Tellement de discours répétés en me regardant dedans. Ce miroir m'a aidé à comprendre l'importance de l'apparence dans une carrière. Ce miroir a créé ma superbe. Je l'ai depuis mon enfance. Des haillons à la richesse. Ah ah, ce miroir m'a donné la confiance d'accomplir tous mes rêves. Peut-être qu'à ce point de ma gloire, je n'en ai même plus besoin. Qui sait? Peut-être qu'un jour, je vous le donnerai, quand je n'aurai plus besoin d'aucune preuve. Mais évidemment, pareil, il faut 100...
sais même pas exactement pourquoi il les faut, ces trois objets, puisque ça doit être des composants du canon, tout ça, je me souviens déjà plus. Bref, 200 pour l'extérieur, c'est pas aujourd'hui. Semaine, mais il n'y a pas 10 jours dans une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jours. Je peux pas faire 10 personnes. Je peux pas demander 10 personnes. Non, c'est pas possible. Bref. Je vais reposer. 30. Un slot quoi. Cinématique tellement ça a bugué longtemps. Cercle rouge, je pensais ne jamais en avoir besoin à cause justement du fer, entre autres. Bah, je me suis trompé. Alors. 1, 2, 3, 4. Et là, 8. Et 8, c'est ça, il me faut 16. Ça suffit à faire deux bancs de plus et ne plus me laisser de soie sur moi.
Du coup, faut que je ramène... que j'accepte d'autres cadavres. Alors, on pose ça. On va prendre des carottes. De l'autre côté. De l'autre côté, il faudrait que je fasse de l'alchimie d'abord pour pouvoir leur injecter des trucs. Et qu'ils soient plus. De meilleure qualité. Ultimate 16. Il faut aussi 16 d'os. Voilà. Ça par contre faut poser. Ah oui, non, j'ai pas de verre d'avance. Ok. Au final, je vais là-haut, aller là-haut, mais je vais pas pouvoir faire grand-chose. Il y a un peu de fer qui a été fait, quoi. C'est magique. Je sais pas comment ça fonctionne là-haut tant que je suis pas là. Du coup, je vais prendre de quoi en faire une troisième. Et là, il avait 7 piles complètes et ces deux-là. Et là, il a plus rien. J'ai l'impression qu'il faut que je vienne le voir pour que lui commence à travailler. Et les autres, sinon, ils travaillent bien. Bref. C'est bien ça. Retirer. Ça. Ferraille, ok. Réserve de pierre. Non. Emplacement pour la lanterne d'abord. Voilà. Réserve de pierre. Une, deux, et je suis pas sûr de pouvoir mettre une troisième en fait. Ça prend quelle largeur? Ça prend la même largeur mais un de moins en hauteur. Espérant que le marbre soit comme la pierre, ça soit sur les mêmes emplacements. Enfin, espérant, je crois. Je crois que c'est ce que j'espère. Je sais pas. J'hésite un petit peu. Thank you.
pas de... Il n'y a pas d'emplacement pour ici. En fait, je me demande si je lui achète des trucs, si ça me donne la, la recette. Je devais le faire. Ah si, c'est le truc à gauche là, à côté de mon zombie qui écrit. Non, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est très intéressant, mais tac. Poutre électrique. De la colle. Donne la recette, c'est très intéressant. Si ça donne pas la recette, bah tant pis. Donc colle, solution balsamique, élixir d'or, conservateur. Zut.
moteur, c'est les élixirs d'énergie, donc ralentissement et accélération. C'est les élixirs d'énergie qui me permettent c'est où ? Voilà, de faire de l'entrée enrichie. Ah ben l'entrée enrichie 2, c'est juste qu'il faut deux fois plus de la dose. Pour lui, mais pas pour lui. Exhausteur de goût, de façon, je l'ai pas vu, ok. Poser ça, je peux poser ça. Les planches, j'ai ce qu'il faut, mais il me fallait 4 poutres. J'en ai combien là ? 5. Il me les faut. 4 par 4, je crois. 5. 6, 7, 8, il m'en faut 3. Je vais en demander 3 ou 4. Je vais prendre un petit peu de vin plutôt que de me coucher comme ça.
ça la prochaine fois qu'on se couche. On arrêtera l'épisode. Il me fallait 4 plans, 4 poutres. On n'a pas fait une seule, c'est ça? Pas encore. Que j'ai posé un peu trop de clous. Je crois que c'était 10 plutôt que 12. Hein. Dans un stock à l'infini ou si je... Ah, j'ai oublié de vendre le vin de qualité. D'ailleurs, est-ce que ici on pouvait... Non, évidemment, on ne pouvait pas faire le... d'ailleurs, on ne pouvait pas faire l'atelier de joaillerie ici. Par contre, toi, tu pouvais te remettre au boulot.
Et c'est tout, non? Maintenant les zombies me récoltent le bois très facilement. Je ne m'en fais plus du fait qu'il y a une partie que je perds. Bref, sur ce, j'arrête cet épisode ici. J'espère que comme les autres, il vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao !